Aujourd'hui, donc, tu es international de rugby. Est-ce que dans ta jeunesse, dans ton enfance ou même un peu plus tard, tu as un jour rêvé ou pensé que tu seras ce que tu es aujourd'hui? Non, pas spécialement, je dirais. Pas en tout cas au début que j'ai commencé, après, ni plus jeune. Après, c'est. Oui, plus je progressais, plus je me disais, voilà, t'as peut-être les moyens un jour de finir là-haut. Et puis ça s'est réalisé, donc ouais, mais c'est pas venu tout de suite en tout cas. J'ai commencé assez tard, donc à 17 ans. J'ai toujours suivi, toujours aimé le rugby, mais je l'avais jamais pratiqué avant. Voilà, ma mère était un peu réticente à l'idée de voir son petit chéri se faire mal, je dirais. Mon père, même s'il le disait pas, il disait toujours à ma mère, tu verras, il ira à Bourouin. Et puis quand j'étais à Bourouin, il disait, tu verras, il sera en équipe de France. Alors que moi, pas du tout, quoi. Jamais... Et puis il m'en parlait pas à moi, il m'en parlait pas directement. Et voilà, après, c'est vrai que je me suis rendu compte que voilà, je progressais et que je prenais du plaisir, en tout cas, à le faire. Et c'est toujours le cas, mais voilà, ça m'a permis de viser plus haut, en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que le rugby a perturbé le cours de ta vie tel qu'il était avant que ça devienne que le rugby prenne une grande importance? Mais ouais, parce que enfin, au départ, je travaillais donc à la mairie à Bourouin. Et oui, ça a perturbé parce que, bon déjà, j'ai toujours voulu garder mon travail jusqu'à ce que je puisse plus, mais j'ai toujours voulu garder ces trous de secours au cas où bon, on sait que le sport, ça peut être éphémère et qu'il peut y avoir une blessure et que ça peut être très rapidement stoppé. Donc j'avais toujours voulu garder ça et puis jusqu'en mai 2004 où j'ai arrêté, je me suis mis en disponibilité. Au début, j'étais passé à mi-temps et après, je ne pouvais plus assumer le mi-temps non plus, donc je me suis mis en dispo et pour pouvoir vivre pleinement et l'équipe de France et le club. D'accord. Tu peux nous rappeler ce que c'était ce métier, ce travail que tu faisais? Je travaillais aux espaces verts à la mairie. Enfin, j'ai une formation de paysagiste et j'avais pu trouver un job à la mairie de Bourouin quand j'étais encore à Saint-Savin, au rugby, enfin, où j'ai commencé au départ. Puis après, je suis arrivé à Bourouin, j'ai essayé de garder le travail, mais du moins au départ, tant que j'étais en espoir, ça allait. C'était dur, mais ça allait, quoi. On pouvait encore concilier les deux. Et puis après, j'ai été obligé de passer à mi-temps pour pouvoir assumer le reste. Et puis après, je ne pouvais plus suivre, quoi. Pour ma première sélection, j'avais pris sur mes congés, quoi, pour pouvoir y aller. Donc c'est vrai que c'est... Après, on ne pouvait plus, quoi. Au niveau récupération, c'était plus possible. Qu'est-ce qu'aurait été ta vie s'il n'y avait pas eu le rugby à ce niveau-là? Je sais pas, je serais peut-être encore là-bas, j'en sais rien. En tout cas, ouais, je me voyais faire un boulot d'extérieur. Quoi. Le paysagiste, c'est quelque chose qui me plaisait, être au contact de la nature et pas être enfermé dans un bureau. Voilà, je ne me voyais pas du tout enfermé dans un bureau et voilà, être à l'extérieur, même si les conditions sont des fois difficiles, mais je ne me voyais pas du tout enfermé. Paysagiste, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de refaire une fois ta carrière terminée? Pourquoi pas, ouais. Je sais qu'on en a déjà parlé avec un collègue qui a monté sa boîte récemment sur Bourouin. Et voilà, pourquoi pas après m'associer avec lui et faire quelque chose ensemble. Ouais. Et l'après-carrière, c'est déjà une chose à laquelle tu penses? Justement, c'est ce que je commence à regarder parce que ça sera très vite là. J'espère le plus tard possible, mais on ne sait pas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut... 78, c'est ça? Ouais, 78, ouais. Tu te donnes encore combien d'années à la fin? Je ne sais pas, j'ai encore au moins 2 ans, voire 3 ans à Carmont. Après, je crois que c'est le corps qui dira stop, et mentalement et physiquement. Donc ça, on verra par la suite. Est-ce qu'on a le temps quand même d'être curieux de ce qui se passe autour de la ville, où on vit dans la ville, ou est-ce qu'on est un peu dans sa bulle, centré sur sa performance? On est dans sa bulle par moment, je dirais, mais après, c'est vrai que c'est important de faire autre chose aussi. On ne peut pas penser rugby du matin au soir sans avoir autre chose pour s'oxygéner un peu la tête et se faire du bien mentalement. Je crois que c'est important, en tout cas, de voir autre chose. Qu'est-ce que tu fais, toi, justement, pour ça? J'essaie, en tout cas, un maximum, comme je te disais, de passer du temps en famille, aller, je sais pas, même à la piscine avec les gosses, enfin, n'importe quoi. Enfin, après, je suis assez nature et je vais un petit peu à la chasse, à la pêche, toi. Donc ça me permet, même si c'est qu'une demi-journée, de temps en temps, voilà, se ressourcer, t'es tranquille, il n'y a personne qui te casse les pieds autour et ça permet vraiment de relâcher, de penser à autre chose. La pratique du rugby, ça t'a apporté une certaine notoriété. J'imagine que les gens te reconnaissent un peu dans la rue, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, qui pèse dans la vie? Ça dépend, je dirais, ça dépend. Non, c'est amusant et c'est sympa quand c'est des enfants ou des gens qui sont,
qui sont polis, ça l'est moins quand, quand c'est d'autres personnes qui se croient tout permis et qui viennent un petit peu dans l'intimité, je dirais. Donc voilà, c'est déjà arrivé que je me fâche par rapport à ça. Et quelqu'un qui était venu à la maison, qui prenait la maison en photo, donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Et, voilà, je pense que le mec s'en rappelle aussi. En tout cas, personne n'est revenu depuis. Est-ce que tu aurais un bon souvenir et un mauvais souvenir? Alors, c'est peut-être celui-là lié à... Ouais, le mauvais, c'est celui-là. Bon, après les bons souvenirs, c'est toujours voir les étoiles qu'on peut mettre dans les yeux des gosses quand ils viennent demander un autographe. Voilà, ça, c'est des moments qui sont importants et qui font partie aussi du boulot, quoi. Je trouve qu'on prend énormément de plaisir quand c'est des personnes qui viennent et qu'on voit que ça leur fait plaisir, quoi, hein, et qui sont contents de nous voir. Donc voilà, ça, c'est important aussi. Est-ce qu'on apprend à, je sais pas, à regarder un peu différemment dans la rue quand on se promène pour éviter un peu les regards des gens Ouais, ça peut arriver si tu vois que, ou si tu as l'impression que le mec, ça va être un pénible, quoi. Tu dis, bon, on va aller l'autre côté pour être un peu tranquille. Mais non, mais voilà, après, ça fait partie, comme je te dis, ça fait partie du truc. Mais c'est vrai que des fois, même en course, tu vas faire les courses dans une grande surface. C'est tout juste si tu vois pas les mecs, c'est tout juste s'ils regardent pas ce que tu as dans le caddie, ils surveillent ce que tu manges, ah bah tiens, il a pris ça. Alors voilà, c'est des fois un peu trop, mais voilà, ça fait partie du job, on dirait. Est-ce qu'il y a une chose qui t'énerve dans le rugby et ce serait quoi? Peut-être les mecs qui insultent sur le terrain, ouais. C'est-à-dire les joueurs entre eux? Les joueurs, ouais, entre eux, ouais. Ça peut m'énerver, je trouve ça débile et je vois pas trop l'intérêt, quoi. Ça peut arriver à faire de l'effet sur certaines personnes, oui, certainement, s'ils le font. Mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage par rapport aux valeurs qu'il y a dans ce sport. Est-ce qu'il y aurait une chose dans le rugby qui te révolterait? Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé déjà dans le rugby, mais les règles notamment. Non, je ne sais pas, que le public peut-être devienne un peu plus comme au foot. Ouais, ça serait un peu dommage, je trouve. Tu le sens? On sent qu'ils sont beaucoup plus critiques, je pense, qu'avant. Ouais. On sent que, voilà, des fois, ils se disent, ouais, on a payé notre billet. Il y en a, ils ne comprennent rien aux règles, mais ils viennent là plus pour se défouler que pour apprécier le jeu, je dirais. Est-ce qu'il y a des choses qui te font rire dans le rugby d'aujourd'hui? Ouais, le côté un peu paillette peut-être des fois du Stade français. Il y a des fois ça fait peut-être des fois un peu trop. En tout cas, ça a fait la promotion de notre sport depuis plusieurs années. Et c'est aussi grâce à ça que le rugby plaît de plus en plus. Mais voilà, c'est des fois peut-être un peu trop. Alors, quel serait le partenaire qui te fait le plus rire et pourquoi? Est-ce que tu as un partenaire qui te fait particulièrement rire? Qui c'est ça? Ben ouais, je pourrais te dire Julien Pierre, rien que déjà quand je vois sa tête, ouais, ça me fait un peu rire, mais après il est toujours en train de déconner, donc forcément c'est un peu compliqué pour se concentrer, même dans le vestiaire avant le match, mais voilà, après le terrain c'est autre chose, et c'est vrai que jusqu'au coup de sifflet, ça ne nous empêche pas de déconner, et bon, on essaie de faire gaffe aussi par rapport aux autres, parce que ça peut troubler un petit peu la préparation de certains, donc voilà, c'est un peu... Et c'est de quel ordre alors? Pour n'importe quoi, pour quelqu'un qui va parler dans le vestiaire ou qui va accrocher un mot, voilà, si on se regarde, c'est parti, quoi. Donc. Mais bon, voilà, enfin, comme je te dis, ça ne nous empêche pas de nous concentrer après, dès qu'on rentre sur le terrain. C'est peut-être une façon d'évacuer un peu le stress, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, on passe des bons moments. Et alors, ton partenaire qui te ferait peur, hein? Peur, ouais, je pourrais te dire Jimmy Cunemore peut-être. Déjà physiquement, quand tu le vois dans le vestiaire, c'est un peu hors norme. Après, je préfère l'avoir dans mon équipe qu'en face, ouais, c'est sûr. Par rapport au plaquage qu'il peut imposer aux autres et souvent limite, mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui met énormément d'engagement. Et que, à l'entraînement, on le sent passer? À l'entraînement, on essaye de l'éviter aussi, quoi. Bon, même s'il met un peu moins d'engagement dans l'entraînement, mais si je peux me mettre un peu plus loin, c'est aussi bien. J'ai pas peur sur le terrain, mais j'ai déjà pris plusieurs fois Tuilagi de Perpignan lancé. Quand tu le vois arriver, ouais, tu te dis il va falloir être gainé parce que ça fait 130 kilos et ça arrive très vite. Voilà, bah après c'est plus physiquement qui sont impressionnants. Après, on n'a pas peur sur le terrain, mais tu sais qu'il faut être prêt quand t'en as un qui arrive comme ça en face.